Ça y est, après des semaines d'entraînement physique et mental, et après des semaines de remise en question et de méditation pour me préparer mentalement, me voilà fin prêt à prouver ma valeur aux côtés du dieu de la guerre. Le défi va être de taille puisque je vais lancer une nouvelle partie en difficulté. God of War ! La rumeur dit que même Kratos trouve ça difficile, autant vous dire que je vais cracher du sang. Et préparez-vous à saigner, puisque c'est un voyage épique et semé d'embûches qui attend Kratos et son fils Atreus, âgé de 11 ans seulement. Des ennemis redoutables et de toute taille vont tenter de leur barrer la route. Ensemble, ils vont devoir exaucer le dernier vœu de la femme de Kratos. Atreus, tu peux sécher tes larmes. Et oui les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode sur God of War. Alors aujourd'hui, je vais lancer le défi de ma vie en termes de jeux vidéo, je pense. Je vais faire God of War en difficulté. God of War, donc forcément, ça va être ultra compliqué. Alors je m'étais déjà un peu renseigné sur la difficulté, c'est extrêmement dur. J'avais déjà fait la campagne en mode difficile et c'est vrai que c'était quand même assez tendu à certains moments et la difficulté God of War, il y a genre vraiment rien à voir, il y a rien à voir dessus. Il y en a qui disaient que c'était limite plus difficile que les Dark Souls, donc autant vous dire que ça va être très très tendu. Et du coup j'en profite justement de rejouer à God of War pour la simple et bonne raison que récemment j'ai une PS5. Et la semaine dernière aussi, mon pote qui est sur PS4, on discutait un peu, et il m'a dit « Putain mec, j'ai fait God of War, il est incroyable !» C'est vrai que moi, je l'avais déjà fait en 2018, je crois, et il m'en a reparlé et tout, il m'a reparlé un peu des combats, et ça m'a grave chauffé. Et sur Insta, il y avait souvent des vidéos de God of War, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils balancent plein de vidéos de God of War, avec justement le combat du début. Et ça m'a extrêmement chauffé et je me suis dit, bah en fait faut que je fasse ce mode de jeu en difficulté God of War. Et pour votre plaisir, j'ai enregistré, donc là j'ai les paramètres graphiques de la PS5. Donc là vous avez en 4K la vidéo, alors là que demander de plus. Donc je fais jamais ça, c'est même la première fois que je fais ça, donc si ce contenu vous plaît, genre que vous voulez que je continue la partie en God of War, je vous laisse mettre un pouce bleu ou me dire si ça vous plaît vraiment. Voilà, au moins que je sache un peu les avis de tout le monde. Et on va se lancer dans cette aventure où je vais littéralement cracher du sang. Donc let's go en nouvelle partie plus en mode God of War. Voilà, le mode God of War s'adresse aux joueurs qui veulent un niveau de difficulté extrême, exigeant des réflexes dignes d'un dieu et d'un bon sens de la stratégie. Et là, la particularité, c'est bien sûr qu'on ne peut pas changer la difficulté en cours de route. Donc voilà, par exemple, si je me mets en mode défi et puis que je dis putain, c'est trop chiant, je vais me remettre en mode histoire. Bah, je vais dans les paramètres, je remets en mode histoire. Là, God of War, je suis condamné en fait. Donc let's go, allez, je vais pas parler plus longtemps, c'est parti. Difficulté ne peut pas être motif au cours de la partie, yes. Thank you.
J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Les sous-titres comme ça si on risque de mal entendre. Voilà, hop hop. Tu veux toujours que je l'attache au bateau? Atreus. Ça suffira. Ceux qui n'ont pas fait depuis longtemps, j'espère que ça vous permettra de le redécouvrir. Ouais. Parce que c'est quand même un bon jeu, finalement. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Donc là, on va rejoindre la maison avec notre arbre qui pèse littéralement 2 kilos. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Thank you.
suis désolé. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Et c'est parti pour une petite partie de chasse avec Atreus. Pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne. Ça dépendra de toi. Allez. Parce qu'après cette super cinématique du début, donc là, on va aller... Qu'as-tu trouvé ? Aller chasser. Des traces. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. On va aller chasser en compagnie de notre ami Atreus. Notre fils, le fiston de Kratos. Il faudrait que je me stuffe à côté puisque en mode God of War ça va être extrêmement dur, c'est pour ça que je vais pas forcer tête baissée dans les quêtes. Oui. Encore des traces ? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula ! Et maintenant ? Par ici, Atreus. Il est trop bien ce gamin. Des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Les trouver. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Là, je vais récupérer quelques trucs. Histoire d'avoir un peu de sous. Oula. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser ? Écarte-toi. Avec la hache de Kratos. Waouh. Vas-y. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le voilà ! Attends ! Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, il va se méfier ! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Ouais, pas facile à Atreus. Hein. Oh non, ça fait la deuxième fois que je recommence, vraiment. Et ça va être chaud, mais ça va être vraiment chaud. Parce que ça fait mal aux mains d'appuyer tout le temps sur R1 R2. Et la difficulté God of War. Mais elle est vraiment... Mais ultra dure, quoi. Vraiment, pour le coup. Ah franchement il disait ouais c'est pour ceux qui veulent du défi, bah t'inquiète pas qu'ils l'auront le défi hein. Non faut pas qu'il se transforme ce bâtard.
Vas-y, je vais essayer déjà de le buter, lui qui est level 2. Voilà. Et allez, il y en a encore. Ok, là, je crois que c'est toujours pas fini. En fait, faut être super vigilant. Oh là là. Hey, c'est vraiment vrai. Vas-y, je peux avoir les trois d'un coup. Ah, il s'est transformé. Je crois que c'est le dernier. Enfin, j'espère du moins, parce que sinon... Franchement, en vrai de vrai, hein, c'est ultra dur. Je savais que c'était compliqué, mais à ce point-là. Ah! Vas-y, c'est au pire, je vais prendre caméra. On va se concentrer un peu sur l'histoire. Ok, du coup je continue puisque je suis allé me stuffer vite fait. Je vais ouvrir d'autres coffres. Il est entré dans le vieux temple. Pour être un peu mais plus maman m'a dit puissant de quand jamais y même. aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Tu peux me rendre mon arc maintenant. Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Ouh. Là, regarde. Ok. Laisse-moi t'arriver.
Elle a même plus le temps de se régène. T'as compliqué les combats, hein. Et encore là, c'est les ennemis les plus faciles du genre en soi. Elle s'ouvre. Une surprise. Ah. Magique, ça s'ouvre. Ah, on a quoi? Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. Attends, il y a un coffre, Atreus, bouge pas. Ok, là-haut, ça mène à où? Je peux toujours pas courir, je crois qu'il faut que j'avance encore un peu pour courir parce que... Ok. Vas-y, ça j'y frapperai. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide ton esprit. Détends ton bras et inspire. Je peux le faire. Mais oui. Solide sur tes appuis. Ne bouge pas. Oh, je l'ai eu. Bien. GG Atreus. Il est encore en vie. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. C'est parti. Là, là je vais douiller. Allez. Putain, j'y suis presque, bordel. Putain, j'y suis putain de presque. Non, putain. Allez, c'est un pas.
Oula, je vais laisser se calmer. Allez, 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 allez. Maîtrise tes émotions, Atreus. Je vais bien. Allez, allez. Allez, putain, je vais la... Oh non, non. Bon sang, bon sang, bon sang. Allez, on se calme, on garde ça sans froid. Parce que là, vu la vie qui me reste, ça me ferait clairement chier. Putain, les baltringues. God of War. Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Vas-y. Tu n'es pas prêt. Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait des preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Ah bah ça y est, j'ai enfin débloqué la capacité de courir. Le chemin vers la maison est par là. Les doublages sont quand même vachement bien faits, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, je crois qu'il y a encore des ennemis ici. Les flèches, les attaques à main nue. Voilà. Il est étourdi le bonhomme. Comme s'il meurt plus vite, ça c'est sympa. Voilà. Y'a un truc à faire là pour l'ouvrir la porte. Tac 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 tac. Je sais pas, pas pour le moment, on dirait. Putain, mais c'est pas possible. Il a décollé du sol. Elle a décollé du sol comme jamais. J'ai bien dit que la forêt était différente. Je t'ai dit de te taire.
Bon les amis, on va se laisser là. Un troll de feu voudrait brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqué? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Ouais, c'est ça les amis, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous plaît. C'est vrai que le système de combo de God of War est vachement sympa, et puis même la trame et tout, l'histoire du père avec son fils, je trouve ça vachement cool. Les doublages et tout sont bien faits, l'effet spectaculaire est clairement là. Non, c'est vrai que c'est un très 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 bon jeu, hein, c'est clair. Donc voilà, bah moi c'est pour ça que j'avais un peu envie de me le refaire et puis en difficulté God of War pour que ça me fasse un peu plus de défis. Donc n'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit, si cet épisode vous a plu, si le concept vous plaît que je fasse ça en mode God of War. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et portez-vous bien. Salut tout le monde, bye bye.